Bonsoir, bienvenue sur FR3 pour cette soirée exceptionnelle d'élection de Miss France 1991 en direct du CNIT à La Défense. Avec moi, trois Miss qui ont déjà connu la gloire. Je vous invite à découvrir maintenant celles qui vont peut-être la connaître à leur tour. Regardez. Sophie Lefebvre, élue à Gravelines. Katia Letilleux, élue à Verne d'Anjou. Anne-Marie Poggi, élue à Dinan. Katia Terwinard, élue à Briard. Stéphanie Beau, élue à l'Île-d'Oléron. Sandra Guillaumeau, élue à Pont-Audemer. Nathalie Fontenot, élue à Saint-Géréon. Rose-Isabelle Pignereau, élue à Parthenay. Régine Hubert, élue à Saint-Réunion. Karine Lenné, élue à Aïe-en-Champagne. Karine Paulin, élue à Mèche. Véronique Mangenot, élue à Morange. Delphine Mougenot, élue à Belfort. Régine Bach, élue à Mans. Delphine Vigné, élue à Saint-Gratien. Stéphanie Sénélas, élue à Limoges. Corinne Delpech, élue à Vérac. Myriam Nedelec, élue à Paris. Emmanuel Mérino, élue à Marmande. Sylvie Châtel, élue à Lectoure. Céline Cassagne, élue à Villefranche-de-Rouergue. Nelly Gauthier, élue à Thiviers. Chantal Loz, élue à Espalion. Virginie Puertas, élue à Toulouse. Katia Petric, élue à Lyon. Virginie Guillermin, élue à Pont-Sainte. Annabelle Escoffon, élue à Crémieux. Élue à Saint-Étienne. Karine Michel, élue à Aix-les-Bains. Géraldine Laurent, élue à Fortitch. Sidonie Soubet, élue au Lavandou. Alexandra Delineuve, élue à Cannes. Nathalie Birbin, élue à Perpignan. Catherine Gallière, élue au Cap d'Agde. Karine Cormon, élue à Montpellier. Véronique Laval, élue à Nice. Muriel D'Angelis, élue à Perpignan. Maggie Vieira da Silva, élue à Nouméa. Juliette Moncette, élue à Pointe-à-Pitre. Pascal Luizet, élue à Fort-de-France. Marie Major, élue à Tahiti. Être jolie, être jolie, être jolie.
Nous voici donc au cœur de cet amphithéâtre Léonard de Vinci, où vous venez de voir défiler devant vous 44 de nos Miss élues par les régions. 44 Miss que vous reverrez tout au long de cette soirée dans des tenues très différentes qui vous permettront de les admirer et de les juger, car c'est vous, téléspectateurs, qui allez voter pour elles, ainsi que le jury de personnalités ici présent que je vous présenterai tout à l'heure. Mais c'est aussi, bien sûr, une soirée d'élection, mais c'est aussi une soirée de variété. D'ailleurs, je crois que je me permettrai de faire, malgré moi, quelques imitations. Et entre vos mains, bien sûr, le sort de nos Miss, vous allez voter pour elles. Pas de Miss sans vous, pas d'élection sans le comité Miss France. Et à la tête de ce comité, Miss France, sa présidente, Madame Geneviève de Fontenay, que je vous demande d'applaudir maintenant. Geneviève de Fontenay. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Yves. Ça va bien? Ben vous savez, j'ai une très très grosse émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense à mon mari, oh, qui a organisé la première élection en 1947. Je l'ai perdu en 1981. Je crois qu'il serait fier de me voir ce soir ici. Eh bien s'il est fier, il ne faut pas pleurer, il faut se réjouir. Soutenez Geneviève, on comprend son émotion. Geneviève, c'est une fête ce soir. Je vous propose de retrouver celui qui vous assiste, très bien, Xavier de Fontenay, qui va nous aider à présenter ce jury. Xavier de Fontenay. Eh bien, le jury qui va venir à Miss France avec la complicité des spectateurs, je vous présente Julien Lepers, qui présente tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h, ce jeu que nous aimons tous, que nous regardons, Question pour un champion, et que nous retrouvons aussi sur RTL, tous les week-ends, de 9h30 à 11h, pour... De 9h30 à 13h, pour Stop ou Encore. Julien Lepers, qui est président de ce jury, vous savez. À ses côtés, la ravissante Jean Manson. On espère revoir bientôt sur scène, à Paris. Il y a des frères célèbres, les frères Goncourt, Wilbur Orville Wright, et puis il y a aussi les frères Roulant. Nous accueillons ce soir Jean-Paul Roulant, homme de radio et homme de télévision, que nous avons beaucoup plaisir à retrouver ce soir. Jean-Paul Roulant. Mademoiselle Amarande est à ses côtés, brillante comédienne. Bonsoir Amarande. Monsieur Jean-Luc Lustienne qui représente la direction générale de Téléstar. C'est la deuxième année avec Téléstar et le concours de pronostics. Beaucoup de lettres, beaucoup de gagnants, je l'espère. Enfin non, un gagnant pour ce soir qui repartira avec 50 000 francs de cadeaux à choisir dans le catalogue de la Redoute. Téléstar. À ses côtés, Macha Béranger, la voix de la nuit de France Inter. Macha, sous un ravissant bibi de Jean Bartet. Jean Bartet, c'est un grand artiste, il a fait les chapeaux de toutes les stars du monde entier. Feu et transparence, c'est son exposition, il a beaucoup de talent. Il sera ici pour cette exposition au CNIT au mois de janvier. Bravo Jean Bartet. Katia Tchenko est là aussi, Katia Tchenko. Et ce n'est pas un feuilleton. Encore un joli chapeau Jean Bartet. Ah, vous êtes, c'est pas pour rien que vous êtes à côté de Jean, hein. Voilà, vous nous présentez notre certaines dernière... Certaines Miss France sont devenues des mannequins, et d'autres le deviendront. Mais ce soir, nous avons un mannequin de charme, d'élégance, Chicaille, vedette de Dior. Vous voulez dire quelque chose? Vous pourrez le dire tout à l'heure quand vous aurez un micro, cher Chica. Je vous propose... C'est Pierre Cardin, bien entendu. Non, non. Vous avez elle représente la maison Cardin. Oh, vous avez bien fait de le corriger. Voilà, alors vous qui rêvez d'être un jour l'incarnation du charme français, eh bien je vous propose de découvrir à travers ces épisodes vécus par Miss France 1990, ses espoirs, ses merveilleux moments avec Gaëlle Voiry. Regardez Gaëlle Voiry dans ce sujet. Quand j'étais petite fille, jamais je n'aurais imaginé être élue Miss France. C'était pour moi un vrai conte de fées, quelque chose d'inaccessible. Et puis tout va très vite. Hein. Miss France. Donc j'ai été élue Miss France. Hein. Je suis partie avec Madame de Fontenay pour faire les galas.
J'ai parcouru toute la France. Nous avons élu toutes les Miss régionales dans des superbes galas. Ça m'a apporté énormément de maturité et d'expérience, puisque rencontrer les gens, être amené à promouvoir un titre, promouvoir une image, une magie, la magie Miss France, c'est quelque chose de merveilleux. Être élue Miss France, c'est aussi la possibilité de concourir à l'élection de Miss Univers. Je suis donc partie à Los Angeles, un mois. Nous étions 80 filles. C'était quand même grandiose, les shows à l'américaine, les strass. Nous avons appris à danser, à chanter. Être une Miss France, c'est tout d'abord être ambassadrice, c'est-à-dire que je suis partie au Moyen-Orient pour la promotion d'un parfum, pour le lancement d'un parfum. Et là, j'y ai rencontré vraiment des personnes très intéressantes, différentes. J'ai pu rencontrer l'équipe de France de football et rencontrer le Cher Fab. Miss France, c'est avant tout un très bon tremplin. Et je crois qu'actuellement, je me suis un peu lancée dans la communication. Je suis dans une école d'attaché de presse et j'aimerais continuer. J'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire. Tout de suite. Et la voici, Gaëlle Voiry, Miss France 90. Ça va, Gaëlle? Bonsoir, mon cher Yves. Vous permettez que Christophe de Chavannes vous pose quelques questions? Non, il n'y a rien de méchant. Bien, alors, Gaëlle Voiry, donc, vous appelez Gaëlle Voiry avec un Y, je précise. Vous reconnaissez, c'est un nom qui vous a aidé à choisir votre voix. C'est sympa, merci, c'est très marrant. S'il vous plaît, je vous en prie. Un peu de silence, alors laissez-la parler, je vous en prie. Alors, vous faites des études de sciences économiques. J'ai fait des études de sciences économiques. Chacun son truc, ah, pourquoi pas. Ce qui ne vous empêche pas d'être élue Miss Médoc, puis Miss Aquitaine, et enfin Miss France en décembre 90. C'est ça, bon. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez vécu tout ça. Je l'ai vécu très très bien. Disons que ça s'est passé très très vite, puisque Miss Médoc s'est fait en mois d'août, Miss France au mois de décembre. J'ai l'esquimau bien près de la bouche, oui. S'il vous plaît, je vous en prie. Le reste, vous le connaissez, puisque vous avez eu un très beau reportage qui a un peu résumé tout ce que j'ai pu faire cette année. En tout cas, pendant cette année de rêve, vous parcourez la France, on peut dire le monde entier. Vous êtes reçu au Koweït. Vous rencontrez qui ça? Le prince du pays, le Cher Fahd. Vous lui ferez nos amitiés. Et puis, votre venue pour eux, c'est le choc, puisque vous êtes là-bas 15 jours après, c'est l'annexion par l'Irak. Vous y êtes pour quelque chose? Non. C'est toujours une histoire de femme, mais... Oui, c'est vous qui le dites, d'accord. Alors, l'élection Miss France, ça vous fait quoi? Un petit frisson, une grande chaleur? Vous allez céder votre couronne sans regret? Non, j'ai vraiment la chance de pouvoir faire participer à une autre fille à tout ce que j'ai pu vivre. Oh, l'hypocrite, oh, l'hypocrite. Remarquez, non, vous avez raison, moi je ne céderai pas ma mienne de couronne comme ça. L'avenir pour vous, c'est quoi? C'est demain, c'est mon école. Vous allez faire quoi? Demain, je vais essayer de fêter le 1er janvier, comme tout le monde. Non, mais Et ensuite, non, je vais commencer à faire un stage, et ensuite je vais faire tout ce qui suit, et continuer à travailler avec Madame de Fontenay. Et votre métier, ce sera? Attaché de presse. On va la revoir. Vous savez, les attachés de presse, c'est celles qu'on fait sortir par la porte et qui rentrent par la fenêtre. Gaëlle Voiry, vous l'applaudissez encore. Merci. S'il vous plaît. Merci, Gaëlle. Restez avec moi, car nous allons maintenant accueillir nos Miss en robe du soir. Un très beau défilé que je vous propose de regarder maintenant. Les Miss en robe du soir.
Les Miss en robe du soir, ce sont des robes d'Alice Design.